Salut les amis, on se retrouve sur une action qui est incroyable. En fait, c'était j'ai fait un dépassement qui m'a semblé extrêmement intéressant. Donc vous voyez, un dépassement à 3. Donc sur iRacing, on est sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ça me rappelle l'action entre Schumacher et Häkkinen. Et je crois que c'était Ricardo Zonta qui était au milieu. Je crois que c'était en 2000 ou en 2001. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, on va se revoir du coup à mon siège. Donc vous voyez, j'arrive bien de virage de l'eau rouge. J'essaie de passer à gauche, j'essaie de passer à droite. Il me ferme la porte, je pars à gauche. Lui reste à droite et on reste bien dans notre ligne. Moi je reste bien dans mon ligne, je freine bien tranquillement. Je sais que lui peut louper son freinage. Il le loupe légèrement, mais je vais pas chercher le contact parce que ça sert à rien. L'idée c'était vraiment de faire quelque chose. Alors là on se retrouve dans la caméra de celui qui s'est retrouvé bien malgré lui au milieu. Alors regardez, ça va être très rapide. Il reste bien au milieu, il fait pas trop de léger décalage à droite, mais en tout cas il va avoir passé deux fusées, une à droite puis une à gauche. Et il est spectateur de ça, donc vous voyez qu'on on garde nos distances. Lui aussi, vous voyez, il se rapproche bien dangereusement. Il avait vu l'ouverture que j'ai pu lui laisser. Donc en tout cas voilà, c'est une de mes plus belles actions, c'est vraiment un moment hyper intéressant et vraiment pas du tout voulu. Autre moment, donc on est dans le dernier tour, la chicane, le virage en épingle, vous voyez, on est avec un autre adversaire, pareil, j'essaye à droite, il me ferme la porte, je freine plutôt que lui pour pouvoir recroiser, et vous voyez, lui loupe son freinage, il était loin, il n'était pas sur la trajectoire, donc j'ai pu partir bien comme il faut. On va le revoir, vous voyez, je vous remets le... avec un autre angle de caméra. Voilà, donc vous voyez, alors l'action elle a commencé au virage à la chicane, donc j'en suis mieux sorti que lui, donc j'ai pu vraiment être dans ses échappements. Vous voyez, je vais essayer de passer à droite et hop, lui il me ferme la porte, donc je passe à gauche, je reviens sur la trajectoire. Je sais que lui il est hors trajectoire, je freine beaucoup plus tôt que lui et comme ça, ça me permet de décroiser. Lui reste, sort de la piste et moi ça me permet d'avoir plus de motricité au retour et de couper légèrement. Et c'est comme ça que j'ai pu repartir. Vous allez voir que je vais bien prendre moi le virage de l'eau rouge. Lui il va limite me faire une tentative d'attentat. On n'est pas loin de ça. Vous voyez, hop là, il coupe très fort le virage et revient dans mes échappements. Voilà, autre moment aussi qui s'est passé au début de la course, ce qui a un peu conditionné ce que j'ai fait après. En fait, j'étais bien dans le paquet et en fait, vous voyez, il y en a un qui est parti derrière. Et là, vous allez voir, donc du coup, je suis derrière un adversaire, j'essaie de me décaler, et lui, en fait, freine en plein milieu du virage, je ne comprends pas. Je le percute, je suis déséquilibré et je pars dans le décor. Voilà ce qui a conditionné un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Ça a été un de mes plus beaux souvenirs de course. On va revoir cette action parce que moi, je la trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Ouais, c'est clairement ce qui s'est passé avec Schumacher et Häkkinen. Alors là aussi, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce dépassement. Qu'est-ce que vous trouvez bien? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas bien? Et on se retrouve à très bientôt sur iRacing. C'est aussi pour ça qu'on aime iRacing, excusez-moi. Et moi, j'adore ce jeu. À très bientôt.